est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers. Où est Yasmine? Come here. Lève ta main. In the realm of the spirit, what God is doing, he opened great door for you. I don't know you. It's your first day to come here. God will raise your name above. Yes. I saw her like an angel behind her. We're only many flags. Elle va parcourir plusieurs nations. You go to many nations. Dieu va bénir l'œuvre de ses mains. God will bless the work of his hands. Just raise your hand up. Lève simplement tes mains. God raise your hand up. Je suis en train de voir comme une trompette dans sa main. I see like a trumpet in her mouth. La trompette est en or. The trumpet is golden. Au-delà des affaires qu'elle va faire. Beyond the business, je la vois soutenir l'œuvre de Dieu. I see her supporting the work. Elle va œuvrer pour Dieu. She work for the Lord. Elle servira Dieu. She will serve the Lord. La main de Dieu sera sur elle. The hand of the Lord will be upon her. Dieu me dit ceci. God is saying. Qu'il a établi comme le Joseph de sa famille. You are established as the Joseph of your family. Receive the grace of the Lord. Bénis ses entrailles. Bless touche, allonge-la doucement. Lay down, touche, lay down slowly, touche, lay down slowly, touche, lay down slowly, touche, touch. Il t'a établi. He has established tu you. Ne joueras point. You will never change. Il t'a établi. You will never fail. Tu ne joueras point. You will not change. La main de Dieu est sur toi. The hand of the Lord is upon you. La main de Dieu est sur toi. The hand of the Lord is upon you. Accomplis tes grâces. Fulfill your word. C'est ta première fois de venir. It's your first time. Attends. Ma fille, monte, lève ta main quand je vais voir quelque chose. Tiens, un tatouage là en fleur. I do have a tattoo flower. Là, gauche. Tu crois un miracle? You believe a miracle? Tu vas avoir trop d'argent. You have a lot of money. Tu vas avoir trop d'argent. You have a lot of money. You have a lot of dans money. Dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Je vois sur une pancarte, c'est écrit Zokuri. I saw in the board of Zokuri. C'est ton nom. C'est mon nom. Is my name Zokuri? Major a actionné le satellite. Hold them there well. Attrape sa main. Hold them. God, I put you together. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec. You have many things to do with him. C'est chaud, y a tension. Sometimes it's hot. C'est tout toi. You are especially. You are too nervous. You are high temper. It disturbs you. Anger. Faut travailler ça. Work on it very. Je vais t'amener dans une autre dimension. God wants to bring you another dimension. Va vous ouvrir grandement les portes. I will open door for you. Tu l'établis. Tu l'établis. Establish. Il ouvre maintenant les portes de l'enfantement. Pendant que l'onction est sur vous, pendant que ma main est sur vous, la grâce de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. Dieu stabilise votre foyer. Dieu stabilise vos foyers. Il stabilise maintenant. Aide-la, c'est là. Il y a un gros bébé qu'elle tient dans ses mains. She has a baby in her c'est hand. Une fille. Is it girl? Sarah sera son nom. Sarah will be her name. Touche! Touch! Visite ses entrailles. Regarde, il va arriver un temps. Il rue que t'es. Tu vas bénir l'œuvre de tes mains. God will bless the work of your hands. Tu ne veux pas de transiter. God talk about transit. Tu te vois en train de faire des affaires. Business. Il va bénir l'œuvre de tes mains. He will bless the work of your hands. Je ne vois pas t'arrêter sur place. Don't stand there. Je te vois en train de faire des affaires. I see you do business. Tu vas beaucoup voyager. You will travel a lot. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. God will bless the work mais of your hands. Je vois quelqu'un que tu vas rencontrer. I see somebody you meet. Du nom de Uma. The name of Uma. Fais très attention. Be careful. Cet homme va vouloir faire affaire avec he will toi. Try to do business with déjà, you. Déjà, il est beaucoup assis. He is well seated. Financièrement. Financially. Cet homme Uma. That Uma, tu vas le rencontrer ici à Paris. You meet him here. Mais il viendra de Luxembourg. He come from Luxembourg. Il va vouloir se mettre avec toi. He will try to meet il travaille avec toi. Work with you. Retiens bien ces prophéties. Quand vous allez marcher ensemble. When work together. Je le vois en train de prendre ton étoile. I see you taking parce que c'est Uma. That Uma. Il a beaucoup de finances. He have a lot mais of c'est pas un homme simple. He's not the simple il a bâti sa richesse. He built his riches. Sur le sang. On the blood. Que l'Éternel te protège. Le Seigneur protège. Que l'Éternel te protège. Le Seigneur protège. Que l'Éternel te protège. Le Seigneur protège. Dieu va vous connecter. God will connect après you. Toi-même, tu feras tes affaires. By you later, you do your business. It will work for you. Raise your hand. Il va arriver un temps, Mathieu. Et Ruketa. En fait, dans le monde de l'esprit. In the realm of the spirit. Pendant qu'il était en train de prêcher. As I was preaching. J'ai vu un ange auprès d'elle. Assis en angel. Qui était en train d'écrire sur un tableau. We were writing on board. Et l'ange me disait ceci. The angel said. Elle est en train de prier actuellement. She's praying right now. Que Dieu ouvre ses yeux. For God to open her eyes. She wants to enter the dimension mais of prophecy. Pour avoir des visions. To have a vision. Et Dieu me dit ceci. God saying. À l'instant où je parle. As I'm talking. Il commence maintenant à ouvrir ses yeux. He open your eyes. La puissance va descendre. The power of God is coming. Il y a un transfert qui est en train d'être fait. Transfert going. Elle est là bien quelque chose commence à se passer. Something happening now. Bring les cailles de tes yeux. Bring the l'onction qui suit moi te visite. Il fait now, tomber now, les cailles de tes yeux. Aidez-la moi. Quelque chose a commencé. Something going now. Something got now, 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 now. Now something fire. Touche. Touch. Touche. Touch. Touche. Touch. Tu vas opérer dans les signes. You operate in signs. Prophétie. And prophecy. Tes yeux s'ouvrent. Your eyes are open. Maintenant. Your spiritual eyes are open.
Now, c'est plus que tu seras en train de dormir. When you que sleep, tu vas recevoir le message. You receive message. Partout où tu seras. Everywhere you où go. Tu marcheras. Where we go. La grâce de Dieu. The grace of the Lord. Will be with il you. Il accomplit sa parole. Donne-moi les mains. Give me your hand. Je vais prier pour toi tout de suite. I'll pray for you. Et après la prière, tu es le seul. Je vais parler avec toi deux minutes à côté de la voiture. Ok? Il y a un fardeau ils ont mis sur toi. Mais Ben, tu vas te décharger. Quand? Shalom. Shalom. Restaure ton serviteur. Restaure your servant. Tu es vivant. You are alive. Tu n'abandonnes pas. You are never. Le fardeau tombe. The burden falling. 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 Tout ce qu'il fait lui réussit. Whatever he's doing. Il est entré. Whatever. Tout ce qu'il fait lui réussit. Everything succeed. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je maudis cela au nom. I curse the name of Jesus. Je vois un homme dans le secret. I saw in the name of Jesus. My God. Je vais parler avec lui. I'll talk with him. On va tous s'éteindre. We will be on our feet. My God. Je vais allumer à l'instant où je parle. Fire! Serve it! Come out! Unclean spirit! Détruis sa destinée! You want to destroy your destiny? Go! Le feu! Le fire! Feu, fire! Feu, fire! Le feu! Fire! Le feu, fire, feu, fire! Celui qui t'a défendu hier the one who defended you peut te trahir aujourd'hui. Can betray you today. Celui qui t'a défendu hier the one who defended you yesterday peut te trahir au. Can betray you today. Jean, le chapitre 18, à partir du verset 10. Il avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe oui. que le Père m'a donnée à boire? Continue. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisit alors de Jésus et le lièrent. Il l'emmenait d'abord chez Anne. Continue. Car il était le beau-père de Caïphe. Continue. Qui était souverain sacrificateur. Continue. Cette année-là. Mm-hmm. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu. Amen. Amen. Il faut relire seulement à partir du verset 10. Simon Pierre, oui. qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur oui. et lui coupa l'oreille droite. Oui. Ce serviteur s'appelait Malchus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu? Matthieu 26, le verset 34. Jésus lui dit, oui. je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Amen. Est-ce qu'on peut prendre maintenant le même Matthieu 26 pour lire le verset 75, s'il vous plaît? Et Pierre se souvient de la parole. Et Pierre se souvient de la parole, oui. Que Jésus avait dit. Oui. Avant que le coq chante. Avant que le coq ne chante. Tu me renieras trois fois. Oui. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. J'ai dénommé ce thème. Victime. Celui qui t'a défendu hier. The one who defended peut you yesterday. Peut te trahir aujourd'hui. Can betray you today. Parce que dans le monde aujourd'hui où nous vivons. The world where we are living. Nombreux sont des personnes qui se confient en des hommes. Many are those who commit themselves to men. Pourtant, la Bible dit ceci. The Bible says. Malheur à celui qui se confie en l'homme. The one who commits himself to man. Car il sera déçu. He will be disappointed. Mais heureux celui qui se confie en l'Éternel. The one who commits himself to the Lord. Car il ne sera point déçu. He will not be disappointed. À qui tu te confies? To one to who you commit yourself to. Détermine ton futur. Determine your future. À qui tu te confies? To one you commit yourself Détermine to. Determine l'aboutissement de tes projets. The fulfillment of your project. Parce qu'on ne se confie pas en tout le monde. You don't commit yourself parce to everyone. Parce qu'il y a une personne qui ne trahit pas sur cette terre. A person who cannot betray. Cette personne, cette est invisible. Is invisible, sure. Cette personne, cette, on ne la voit pas. It's true, is invisible. Mais cette personne est visible. But is visible. Par la manifestation de ses œuvres et de manifestation sa gloire. Of his work. Je parle de l'Éternel. I'm talking about the Lord. La Bible ici nous parle d'un homme appelé Pierre. It also et tous nous savons que Pierre était le disciple de Jésus. We all know that Peter was a disciple of the Lord. Nous savons que Pierre était quelqu'un que Jésus aimait. He's somebody Jesus tous loved. Nous savons que Pierre Jésus avait beaucoup d'affection pour Pierre. Avait menu affection nous, pour tous nous savons que Jésus Jesus a développé une certaine intimité avec Pierre. Jésus partageait beaucoup de choses he avec Pierre many with parce Peter. Que Pierre était très proche
proche de Jésus. Were closer to Jesus. Et il y a même des choses. There are things que Jésus a fait dans la vie de Pierre. He did in the life of Peter. Que Jésus n'a pas fait dans la vie de Jean. He didn't give in the life of John. Que Jésus n'a pas fait dans la vie de Jacques. He didn't give in the life of James. Que Jésus James. N'a pas fait dans la vie de Thomas. In the life of Thomas. Que Jésus n'a pas fait dans la vie de Luc. In the life of Luke. Que Jésus n'a pas fait dans la vie des autres. He didn't do it in the life of other disciples. Mais avec Pierre, with Peter, il partageait beaucoup de choses. He shared many things with him. Mais l'Écriture explique ceci. The Scripture explains. Jésus est en train de marcher avec ses disciples. We were walking with his disciples. Jésus avait déjà averti ses disciples. He warned his disciples. Que des événements allaient arriver. But the event happened. Ce qui me plaît, c'est qu'il what allowed with Christ. La Bible dit ceci. The Bible says. Jésus a choisi 150 disciples. He chose 150 disciples. 150 disciples. 150 mais parmi les 150, 150, la Bible dit il a ramené certains. Exactly. Et c'est 12 qui sont restés. Only 12 remained. Mais parmi les 12, among the 12, Jésus savait Jesus knew qui allait faire quoi. Who would do what? Et qui pouvait le trahir? And who can betray him? Qui pouvait l'abandonner? And who can forsake qui pouvait le crucifier? Who can crucify him? La Bible dit ceci. The Bible says, quand Jésus choisit 12 disciples, when he chose 12 disciples, parmi ces 12, among the 12, il y a un qui l'a choisi. One he chose, et il dit aux autres disciples, he said to the other disciples, vous êtes 12, you are 12, mais parmi vous les 12, among the 12, il y a un qui est un démon. One is a demon. Il n'a pas dit un qui est possédé. He said, he didn't say he's possessed. Mais il dit un qui est un démon. One is a demon. Ça ne vous choque pas? Does it shock you? Ça ne vous choque pas? It didn't shock you? Qui est choqué? Who is shocked? Hey, toi, Jésus. You, Jesus. Toi qui es Dieu. You are God. Comment se fait-il? How can? Tu choisis 12 personnes. You choose 12 people. Mais parmi ces 12 là, among the 12, on retrouve un. The found one. Qui est un démon. Who is a demon? Mais toi, tu sais qu'il est un démon. You know he's a demon. Mais il fait quoi au milieu de nous? What is he doing? What is he doing among us? Je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Vous pouvez être né de nouveau. You can be born again. Vous pouvez accepter le Seigneur. You can accept the Lord. Pendant des années. Yes. Mais dans votre destinée. In your destiny. Vous devez savoir une seule chose. You have to know quand vous recevez une prophétie de when Dieu. When you receive a prophecy from Dieu vous donne votre promesse. When give you a promise. Avant que la promesse ne s'accomplisse. Before il y a le bon et le mauvais qui doit marcher avec vous. I have to go with you. Je parle à quelqu'un? The good and the est-ce que je parle the à quelqu'un? Parce que si Judas, if Judas ne faisait pas partie des disciples de Jésus, was not among the disciples, mais comment est-ce que Jésus allait aller à la croix? How will he go to the cross? Souvent on a mal quand on nous trahit. Sometimes you are pain when betrayed. Souvent on a mal quand on nous expose. We are pain when mais cela fait partie de notre destinée. But it belongs to your destiny. Parce que s'il n'y a pas le mal, even no evil, s'il n'y a pas de mauvaises choses, even no mais comment est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? How can you see the glory je of the veux Lord? Dire à quelqu'un, I want to tell tout you, ce qui t'arrive de mauvais, what happened to les you? Gens qui se lèvent contre toi, people come against ils te propulsent à l'accomplissement de ta promesse. Ils te propulsent à l'accomplissement de ta destinée. Ils te propulsent à ton élévation. La Bible dit ceci. Si Anne n'était pas stérile. Comment est-ce que tu allais lui donner Samuel? Je vais parler à toutes les femmes stériles qui sont en quête d'enfants. Je prophétise qu'il y a un Samuel qui est sur le plan d'arriver. Je dis, je prophétise qu'il y a un Samuel qui est sur le plan d'arriver. Tel tu me dis, amen, l'éternel ouvre tes entrailles et amen la fécondité dans tes entrailles. La Bible dit ceci. Jésus va commencer à marcher avec ses disciples. He began to walk with the disciples. Le temps de la prophétie devait s'accomplir. The time of prophecy to be fulfilled. Donc Jésus marche avec ses disciples. He walked with the disciples. Arrivé dans le jardin de Gethsemane. When they reached the garden of Gethsemane. C'est là que tout va se passer. There everything will happen. Dans le jardin de Gethsemane. In the garden of Gethsemane. C'est là que l'écriture devait s'accomplir. The scripture had to be fulfilled. La Bible dit. The Bible says. Arrivé dans le jardin de Gethsemane. When they reached the garden of Gethsemane. Jésus va dire à ses disciples. He said to the disciples. Il dit, vous, you. Veillez et priez. Watch and pray. Le jour ne s'est même pas encore levé. It's not yet the la day. Nuit n'est même pas encore tombée. It's not yet night. Eux, ils ont commencé à dormir. They began to sleep. Ils abandonnent le maître. They forsake the ils master. Ont exposé le maître. They exposed the master. Mais Jésus, lui, Jesus savait himself. Ce qui allait arriver. He knew what would happen. Les pieds ont commencé à dormir. And Peter began et to la sleep. Bible dit, il y a des soldats qui sont entrés there are soldiers who entered dans le jardin de Gethsemane. In the garden of Gethsemane. Qu'est-ce qu'ils vont faire? What they did? Ils vont attraper le fils de l'homme. They hold the son et of la man. Bible dit ceci. Bible says, quand ils sont venus arrêter Jésus, when they came to arrest il y a un disciple qui va se manifester. A disciple were manifested. Je parle de Pierre. I'm talking about Peter. Quand on arrête Jésus, when they arrested Peter, Pierre Jesus, n'est pas content de cette arrestation. We're not, qu'est-ce que Pierre we're fait? Not glad. What he did? Qu'est-ce que Pierre fait? What Peter did? Pierre prend un couteau. He took a sword. La première chose. The first thing. Quand il prend le couteau. When he took his sword. La première chose qu'il va the faire. The first thing he did. Il prend le couteau. He took with, il coupe l'oreille de Marcus. Cut off the ear of Marcus. Mais quand tu coupes l'oreille d'une personne. When they cut the ear of somebody. Tu l'as pas tué. You didn't kill him. S'il avait pris le couteau. As if he took the knife. Pour égorger Marcus, to slot him, on aurait dit qu'il a tué Marcus. As well, they said I have killed quand Marcus. Il veut défendre Jésus, when he wants to defend il ne Jesus, prend pas le couteau he didn't take the knife pour piquer dans le ventre de Marcus, to pierce his mais belly. Il prend le couteau he took the knife pour couper l'oreille de Marcus. To cut off the ear mais of Marcus. Pourquoi il n'a pas touché les yeux? Why didn't he take his
Pourquoi il n'a pas piqué dans son ventre? Why not on belly? Pourquoi il n'a pas piqué par le dos? Not by his back. Mais il prend le couteau. By two il coupe les oreilles. By cut of his ears. Regardez ce que Jésus va faire. Listen what Jesus will do. Regardez ce que Jésus va faire. Look at what he will do. En temps normal. In normal way. Quand Pierre vient. When Peter came. Toi qui es le maître. You have a master. Pour te défendre. To defend yourself. Parce qu'on veut t'arrêter. Because they want to arrest Pierre you. Ne veut pas que tu meurs. Peter doesn't want donc to die. Qu'est-ce que Jésus fait? What Jesus did? Quand Pierre finit de couper l'oreille de Marcus. Cut of the ear of Marcus. Jésus reprend les oreilles. Jesus took the ear. And what did he do? Il fait quoi? What did he? Non, je vais prêcher avec vous ce matin. I want qu'est-ce to qu'il preach fait? This ça ne vous choque pas? Are you not shocked? On vient t'arrêter. They come to arrest you. Toi qui es notre maître. You are our master. Nous savons. We know. Sans toi. Without notre you. Notre vie n'est rien. Our life nous is nous savons. We si know. Tu n'existes pas. If you are not nous using, sommes perdus. We are lost. On veut te défendre. They are to defend et toi? Then you. Tu prends l'oreille. You took the ears. Remplace. You put it back. Quel est ce type de leader? What kind of leader? Quel est ce genre de leader? What kind of leader? Qu'on veut défendre? We want to defend. En coupant l'oreille de Marcus. Cutting off the ear. Et toi, tu prends son oreille. You took a ear and you put it back. Pourtant, Pierre, Mio Peter, l'a fait pour le défendre. Deep to mais defend entre nous, between us, quelqu'un en train de frapper ton père. Somebody beating your father. Et toi, tu viens défendre ton père. You come to defend your father. Et puis ton père te dit non. And your father says, ne fais rien. Mets-toi don't là. Do anything. Stop there. Pourquoi tu le tapes? Why are you beating? Ne le tape pas. Don't tap. Pourquoi tu le frappes? Why are you beating? Ne le frappe pas. Don't beat him. Mets-toi là. Put yourself there. En face de ton ennemi. Before your enemy. Comment tu te sens? How are you feeling? Comment? Frustré et puis quoi? You are disgraced. Comment? Tu es découragé? Discouraged. Parce que moi je viens te défendre. Me I come to defend. Et toi? And you? Tu ne dis rien. You say nothing. Au lieu de dire non, tu as bien fait. And you still say you are done well. Tu peux même attendre à mon absence. You can wait for my absence. Pour recoller l'oreille. To mais je suis back. Là. But I'm there. Et tu colles l'oreille. And you put back the ears. Cette action m'a amené à réfléchir. That action made me to think. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus? Do you know why Jesus? A recollé l'oreille de Marcus. Put it back. Avant de parler de pourquoi Jésus a recollé l'oreille, I'm telling you, je vais vous parler d'abord pourquoi est-ce que Pierre why Peter a coupé l'oreille de Marcus. Cut of the ear of Marcus. Vous savez que you know, quand Pierre when Peter était en train de couper l'oreille de Marcus, cutting the ear of Marcus, en réalité, il était en train de lui arracher le salut. You are taking away the parce salvation. Que la foi ne vient pas de ce qu'on faith voit. Doesn't come from what you la see. Foi vient de ce qu'on attend. Faith come from what donc, you en hear. Lui coupant l'oreille, cutting il était en train de l'empêcher d'entendre l'évangile. En lui disant, comme tu as trahi le maître, tu n'es pas master, dit d'entrer dans le paradis, donc tu dois aller en enfer. Ton oreille est coupée. When your ear tu n'as plus accès au salut. Tu ne peux plus entendre parce que hear. Tu n'as pas d'oreille. Because don't have oh, la Bible dit la say, foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de and Dieu. The word, mais Pierre suivait quelqu'un Peter, look at, qui ne connaissait pas. He was following somebody he doesn't know. Pierre suivait quelqu'un we're following somebody que lui ne pouvait pas défendre. Cannot defend. Pierre suivait quelqu'un we're following somebody qui ne marchait pas selon sa propre volonté he doesn't go mais qui marchait par will. Prophétie. Walk according to parce que la prophétie disait qu'on devait le trahir et le livrer en spectacle. Show him, give him. Pierre. Peter. Pierre. Peter. Pierre. Peter. Il défend Jésus. He defended Jesus. Jésus regarde Pierre. Jesus look at Peter. Il prend l'oreille. Took the ears. Et puis colle l'oreille. And put it back. Vous savez pourquoi? Do you know why? Le soldat. The soldier. Qui a coupé l'oreille de Marcus. Cut off the ear of Marcus. Le Jesus, soldat. The soldier. Quand Pierre a coupé l'oreille. Peter cut the ear of Marcus. Lui c'est un païen. Il est unbeliever. C'est sa mission d'arrêter it's Jésus. It's a mission to arrest Jesus. Puisque c'est un soldat. Because he's a soldier. On l'a emmené. They brought him. Un soldat. A soldier. Il répond selon l'ordre qu'on lui donne. Answer to the quand order ça vient de là-haut. When he comes from il above. Il est venu simplement. He came only. Pour accomplir la loi qu'on lui a donnée. To fulfill the law he has lui il vient arrêter Jésus. He came to arrest Jesus. Et Jésus. And Jesus. Au lieu de se contenter de ce que Pierre a fait. As you do. Jésus dit non. He said no. Parce que vous savez. You know. Jésus en réalité. In reality. Pierre marchait avec lui. Peter walked. Mais Pierre ne savait pas ce qui était Jésus. He will not know who Jésus reprend l'oreille de Marcus. He put back the ears. Afin de dire à Pierre. Peter, Peter, ma mission, ce n'est pas pour sauver ceux qui sont bien portants, mais ma mission, c'est pour sauver ceux qui sont malades, les impudiques, ceux qui sont rejetés, ceux qui ont été bafouillés, ceux qui ont été abandonnés. Donc en recollant ses oreilles, Jésus est en train de lui montrer sa mission. Mais il y a une autre face que face. Vous ne savez pas. You don't know. Que Jésus est en train de faire. Where Jesus doing. C'est ce que je vais vous révéler. This is what I want to reveal. Pourquoi j'ai dit? Why I said? Celui qui t'a défendu hier, the one who defended il peut te trahir aujourd'hui. He can betray you tomorrow. Dans votre marche, in your journey, je vous dis quelque chose. I want to tell you, quel que soit ce que l'on vous fait, it doesn't matter what man will do to apprenez you. Toujours à pardonner. Learn to forgive. Quand vous êtes quelque part, when you are somewhere, et que les gens vous humilient, when people humiliate et quelqu'un vient et te dit, ne pardonne pas, don't forgive, toi, il faut pardonner. You forgive. Quelqu'un m'écoute ce que is je dis. What I'm est-ce qu'on me comprend? Is anybody non, what je n'ai pas saying? Entendu ton amen parce que je vais faire monter la chose. Je n'ai pas entendu ton amen. I didn't hear your amen. Jésus, lui, Jesus,
il récolte l'oreille de Malchus. Put back the ears, Malchus. Parce qu'en réalité, in reality, Jésus a vu dans le futur. He saw in the future que Pierre, Peter, allait faire pire would do worse que Malchus. Than Malchus. Malchus est un soldat. Malchus est un soldat. Lui vient arrêter Jésus. He came to arrest Jesus. Il n'a pas le salut. He doesn't have salvation. Il ne connaît pas la parole. He doesn't know the word. Il ne connaît pas la mission de He doesn't Jésus. Know the mission il of vient Jesus. L'arrêter. He came to arrest. Parce que lui on l'a emmené. Because he was sent. Mais Jésus. Jesus. Malgré ce que Pierre a fait. Despite what Peter did. Jésus récolte l'oreille de Malchus. He put back the ears. Parce qu'il voit dans l'avenir. He saw in the future. Parce que Jésus est omniprésent. He's omnipresent. Omniscient. Omniscience. Il est parfois dans le passé. Il le passe. Dans le présent. Le présent. Dans le futur. Le futur. Lui qui sait tout. He knows everything. Il voit que Pierre. He saw Peter. Dans le futur. The Peter. Allait faire the future. Who do worse? Que Malchus. Dans Malchus. Il y a des gens souvent dans votre vie. Some people in your life. Quand les événements vous arrivent. When events happen. Ils font comme s'ils veulent vous défendre. But then they Mais en réalité, ils ne viennent pas vers vous pour they vous défendre. They are not coming to defend. Ils viennent pour faire partie de votre histoire. You want to belong to your story. Pierre voulait défendre Jésus. Wanted to defend Jesus. Mais regardez à l'avenir ce que Pierre va faire. Look at in the future what he did. Pierre qui est apôtre. Who was apostle? Pierre qui connaît Jésus. Who knows Jesus? Pierre qui dort avec Jésus. Who sleep with Jesus? Ce qui va se passer. Look at what happened. Et Jésus lui dit. Jesus said. Toi Pierre. You Peter. Le coq ne va même pas chanter. The rooster will not crow. And you betray me. Tu vas me renier? Before the rooster sang crow, you will betray me. Le coq. The rooster. Ne va même pas commencer à chanter. Before the rooster crow. Et toi? You. Tu vas faire quoi? You will betray me. Tu vas me renier? You will betray me. Mais le jour, ils étaient en train de flageller Jésus. The devil was flogging Jesus. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il y a une dame qui est venue. A woman came. Elle est sortie de la foule. Came out from a crowd. Et Pierre regarde Pierre. Look at Peter. Elle dit mais celui-là. This one. Il était avec Jésus. He was with Jesus. Qu'est-ce que Pierre a dit? What Peter said? Il dit je le connais pas. I don't know him. Le plus souvent. Most of the time, Pierre peut être ton mari. Peter can be your husband. Pierre peut être ta femme. Can be your wife. Pierre peut faire partie de ta famille. Can belong to your family. Tu as l'impression qu'il est avec toi. You think like en réalité, you. In reality, il n'est pas avec toi. He's not with you. Ce n'est pas tout le monde qu'on se confie. It's not to everyone you commit ne yourself. Ne t'appuie jamais sur une personne. Don't stand upon que somebody. Que ton appui soit l'Éternel. Put your strength que to the Lord. Que ton appui soit le Saint-Esprit. Celui Spirit. Qui ne trahit jamais. The one who can never celui qui n'abandonne jamais. The one can never celui forsake. Qui ne délaisse jamais. The one can celui never qui leave. Ne condamne jamais. The one can never condemn. Mais quand tout le monde te dit non, when people say il no, est prêt à te dire oui. Ready to say quand yes. Tout le monde te ferme les portes, when people il est prêt à t'appeler pour te préparer un champ, pour te préparer une maison, pour te préparer toi. Prepare you a roof for you. À qui tu te confies? To who you commit yourself to? Pierre savait pas qui il avait affaire. Peter knew didn't know who, to who he c'est was. C'est pourquoi dans votre marche. That's why you have journey. Apprenez à ouvrir les yeux. Open your eyes. Sur beaucoup de choses. On many things. Toi tu crois en tout le monde. You believe in everyone. Toi tu te confies en tout le monde. You commit yourself to everyone. Même Joseph. Even Joseph. Son père était contre son rêve. The father was against him. Même Joseph. Even Joseph. Ses frères étaient contre son the rêve. The brother was against him. Ne t'associe pas avec tout le monde. Don't associate yourself ne to everyone. Ne te confie pas en tout le monde. Don't you commit Il y a yourself des endroits où tu dois aller. There are places tu n'es pas go. Obligé de prendre X pour partir. You don't have to take X to tu go. Tu dois aller seul. Go alone. C'est quelqu'un me comprend? Is anybody hear what I'm saying? La meilleure personne à qui tu peux te confier. The best person you can commit yourself. Où ça ne sort jamais. You can never come out. C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Quelqu'un m'a pas dit amen. Say amen. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit amen. Say amen. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas dit amen. Say amen. Le plus souvent. Most of the time. Le pied avec qui vous marchez. The mais vous avez partagé beaucoup de choses. You share many things. Jésus. Jesus. Ce qu'il a fait dans la vie de Pierre. What he did in il the life of Peter. Il n'a pas fait ça dans la vie des autres. He didn't do it with the life of others. No? Que Pierre avait une famille. Peter was having a family. Pierre avait sa femme. We're having his wife. La Bible ne parle pas de la femme de Pierre. Don't talk about mais la Peter. Bible dit. The Bible says, Jésus Jesus a prié pour la belle-mère de Pierre. Pray for the mother-in-law of Peter. Est-ce que vous le savez? Do you know it? Jésus. Jesus. Il a prié pour la belle-mère he de Pierre. For the mother-in-law la Bible Peter. Montre tellement que Jésus était proche. The way he was de Pierre. That he was il partait même Peter. Chez lui. He went to il a prié pour sa belle-mère. For mais est-ce qu'il a fait pour Jacques? Did he do it for est-ce qu'il James? A fait pour Jean? Did he do it for John? Est-ce qu'il a fait pour Luc? Did you do it for est-ce qu'il a Luke? Fait pour Thomas? Did you do it for Thomas? Il a fait. But he did it for Peter. Le plus souvent. Most of the les time. Les gens avec qui vous faites tout. The one who are doing vous aidez, everything. You help. Les gens que vous fabriquez. The one you make. Ceux qui se lèvent contre vous. Mais je vais prophétiser sur toi. Les gens you. Que tu as bénis hier. Qui veulent se lever contre toi. Que l'Éternel renverse les fondements. Je dis à quelqu'un que l'Éternel renverse les fondements. Je dis que l'Éternel les déstabilise. Donc tant que tu me dis amen, l'Éternel commence ce soir. Je dis tant que tu me dis amen. Dans ta famille. Dans tes affaires. Dans ton foyer. Dans ce que tu entreprends. Je dis à quelqu'un que l'Éternel les put them down. Écoutez-moi. Listen to me. Pierre. Peter. Il a fait quelque chose. He had done.
que même Marcus, qui était le païen, even Marcus, I'm believer, n'a pas fait. Le plus souvent dans votre marche, c'est les gens avec qui vous mangez. The one you eat with. Les gens avec qui vous dormez. The one you sleep c'est eux qui vous trahissent. If you, they betray you. Le serpent. The snake, qui n'a jamais dormi dans ton jardin, he never slept in ne peut garden, jamais t'atteindre. Can never reach le couteau d'autrui the knife ne peut jamais te couper. C'est ton propre couteau qui va se lever contre toi demain. Mais je déclare sur ta vie, les gens à qui tu as donné à boire, les gens que tu as fait, qui se dressent contre toi, que Dieu renverse les fondements. Pierre, Peter, l'ami a deux faces. The friends have two faces. L'ami, the friend, avec qui vous marchez, the one you walk, il a deux faces. You have two faces. Il a la face quand tout va bien. They have face when il a la face well. Quand ça ne va pas. And the face when everything is wrong. Le meilleur ami, the best friend, c'est celui qui t'a rencontré quand tu n'avais rien. The one who met you when you were nothing. Et qui continue de marcher avec and toi. Stay walking with jusqu'à you. Ce que tu deviennes ce que after tu es. Become et qui persévère avec toi. And persevere with you. Quand tu vois quelqu'un qui dit, when somebody says, je l'ai aimé hier. I love him yesterday. Je l'aime plus aujourd'hui. I don't love him c'est qu'il t'a jamais aimé. Never en réalité, him. La Bible dit, l'amour ne se sent point le mal. Love, l'amour pardonne tout. Love l'amour supporte tout. Love l'amour est endurant. Lord endure. Tu prends enfant de quelqu'un, tu marches avec elle. Donc somebody care of somebody. Deux ans, trois, one year, 2 years, 4 years. Après tu dis l'amour est fini. And say love is tu gone. L'as jamais aimé. You have never loved him. Parce que quand on aime, when you love, on supporte. You endure it. Quand on aime, on when pardonne. You love, you forgive. Quand on aime, on when est profond. You are deeper. Quand on aime, on oublie. When you love, you forget. Qu'est-ce you que Jésus? You forgive. En tant que le bois sec n'a pas supporté. As the droit, qu'est-ce que Jésus n'a pas supporté? What Jesus didn't bear? Quelle tribulation il n'a pas supporté? What tribulation he didn't bear? Des fausses accusations il a wrong supporté. Accusation. Des gens qui se sont jamais brossés. Those who had never protested. Ont craché sur son visage. Spat on him. Mais il n'a point dévoré le visage. He didn't open il est resté tel qu'il était. He remain who you are, who you was. Le plus souvent, most of the time, ceux qui vous aiment, those who love you, ils vous aiment pour ce que vous êtes. He love you because for who je you are. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. I didn't talk. J'ai dit le plus souvent. Celui qui t'aime, the one who loves il t'aime you. Pour ce que tu es. He love you for il who ne you t'aime are. Pas pour ce que tu as. He doesn't love parce you for que ce que tu as are. Peut disparaître. What can, what mais ce que tu es ne peut pas but disparaître. Are, parce que Dieu t'a créé tel que tu God es. Dieu t'a créé avec ton comportement. Il t'a créé avec ta manière de parler. Il t'a créé avec ta démarche. Tel que tu es, tu resteras ainsi. Une mère. Mother, qui est véritablement une mère. Who truly is a même mother. Quand son fils est voleur. Even the fat, elle ne change pas. The son is c'est mon enfant. Is my child. Un fils. A son. Peut se fâcher contre son père. Can go against his father. Il peut même aller. He can go. En justice. Can go to court. Changer son nom. Change his name. Mais il y a quelque chose que tu peux pas changer. There are things you can c'est ton change. Sang. Your blood. Je dis à quelqu'un ton sang. Your blood. Je dis à quelqu'un ton I sang. Say your blood. Tu ne peux pas. You cannot. Même si on t'a reconnu. Even they acknowledge. Tu es noir, toi un Français t'a reconnu. Even you, mais ton sang c'est you. Le sang de ton père. Your blood tu is the blood of your mother, father. Pierre. Peter. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Jésus? What did he do to Jesus? Il dit à Jésus. He said to Jesus. Pareille chose n'arrivera pas. Something will not happen. Souvent. Most of the quand time. Quand on marche avec des gens. When walk with people. Et puis il te dit toi là. They say you. Moi. Me. Je vais jamais te trahir. I will never betray. Faut commencer à faire attention. Be careful. Tu n'as pas dit amen. You didn't say amen. Le plus souvent, ceux qui sortent dans les bouches vite. Those who say, je te serai fidèle. I will be faithful. Je ne vais jamais te trahir. I will never betray you. Il a déjà commencé à te trahir. He has started to betray parce you. Que lui ne connaît pas l'avenir. He doesn't know qu'est-ce qu'il doit dire? What you par have la grâce de Dieu, by the grace of je the ne vais jamais te trahir. I will not betray parce you. Qu'on vit, on vit, on ne vit pas par nos propres efforts. You tu peux être fort, tu peux avoir les moyens, mais la Bible dit, on fait tout par l'Esprit de you do Dieu. Through the Holy Spirit. Je ne vais jamais te trahir. I will never betray you. Chérie. Darling, toi et moi là, you and I, c'est pour la vie. It's for life. Par la grâce de Dieu. By the grace of c'est God. C'est pour la vie. Quand tu dis par la grâce de when Dieu, grace la grâce vient quand tu ne peux plus. The grace la grâce vient quand tu es faible. The la grâce vient quand tu es limité. Elle vient et brise les barrières et t'emmène à aller accomplir ton objectif. C'est ça le rôle de la grâce. That's the grace of the Lord. Mais je ne vais jamais. Toi, tu es I will never. Who are you? Tu es poussé, tu vas retourner. You are dust, you go back tu ne connais pas l'avenir. You don't know the future. Tu ne connais pas. You don't know the future. Ce que Pierre ne savait pas. What people doesn't know? C'est que sa trahison. The betrayer. N'allait pas mener Jésus vers le bas. He didn't bring Jesus down. Ça l'a mené Jésus vers le he haut. He bring it to top. Le plus souvent, il y a des gens vous prenez. There are people you take. Vous les mettez dans votre bac. You put it in your les sujets. There's prayer c'est request. Que tu tombes. You have to come down. Mais tu ne pourras pas tomber. You will never fall la down. La Bible dit ce qu'un homme aura semé. What man shall il le moissonnera. Service. Je dis à quelqu'un tes bonnes œuvres vont payer à ta your place. Work, je dis à quelqu'un tes bonnes œuvres te lèveront. Tes bonnes œuvres vont te bénir. Tes bonnes œuvres vont te renouveler. Tes bonnes œuvres vont t'établir. Là où les gens préparaient ta chute, l'Éternel regardera à tes bonnes œuvres. Il regardera l'état de ton cœur. Il regardera ce que ton père a fait. Il regardera à ce que ta
ta main a fait de bon et il accomplira ses projets dans ta vie. Le plus souvent, les pierres sont des ingrats. Peter are ungrateful people. Ils oublient vite le passé. They forget the past. Ils oublient le parcours. They forget the journey. D'où vous avez commencé. Where you started. Où vous êtes arrêté. Where you stopped. Où vous êtes tombé. Écoutez-moi bien. Listen to me. Dans une marche. In a journey. C'est pas celui qui tombe que Dieu regarde. It's not the one fall down Christ. Mais c'est celui qui tombe qui se relève qui accomplit son objectif que Dieu regarde. Dieu s'en fout si tu es tombé hier. God doesn't care if you tombe. Mais il croit que tu peux te relever. Voilà pourquoi je t'ai dit ce matin, ne reste pas là où tu es tombé. Parce que tu crois que tu peux te relever. You can be on your feet. Ce que Pierre ne savait pas. What Peter didn't know. Jésus lui a dit toi. Jesus said, le coq ne serait même pas en train de chanter. Tu vas me réveiller trois fois. Will not cry and you deny me three times. Peter said. Je serai avec toi. I will be with you. À quel moment? In which time? La Bible dit. The Bible says. Quand Pierre renie Jésus. When he denied Jesus. Le coq commence à chanter. The rooster began to sing. Quelqu'un dit réveille. C'est réveillé. Est-ce que vous savez que le coq Rooster, ne chante jamais pendant le jour. Can never sing a crown le in the daytime. The rooster ne chante jamais pendant la can nuit. Never crown the night. Mais le coq chante pendant l'aurore. Oh oui, il l'aurore c'est quoi? L'aurore c'est où la water. Nuit est mélangée pendant where, le jour. Where is night and on day. Ne sait pas. Yes, they don't know. Si le jour s'est levé, if the day on or, ne sait pas si la nuit part. Is night is c'est going. Pendant l'aurore que le coq chante. Where the le coq vient te dire que hier est passé, c'est un jour nouveau qui se lève. Pierre ne voulait pas que le coq chante. Oh, le coq devait chanter pour annoncer que Jésus devait monter vers le Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le mal que l'on t'a fait, ton coq chantera. Ton coq chantera. Ton coq chantera. Je dis à quelqu'un, ton coq va chanter. Je dis à quelqu'un, ton coq va chanter. Il va t'annoncer un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Tu as peur quand Dieu ne te connaît pas. Sometimes you are afraid when they don't know tu you. Tu dois accepter ça. You have to accept it. Amen. Amen. Souvent tu fais du bien aux gens. You do good. Et tu les vois comment ils se rédigent. You say comme si tu n'as rien fait pour eux. Like you have not nothing. Mais quand les gens se comportent comme ça. When people behave tu like ne them. Parles pas. Don't talk. Quelqu'un que tu as béni. Somebody you bless. Quelqu'un que tu as élevé. Somebody you raise up. Tu te combattes. You want to fight. Toi tu t'étais. You shut up. Absalom. Absalom. Il a pris le palais de son père. Tu veux parler sur le father. Il a pris fauteuil. To il a pris même les concubines. Il vient avec concubines. La couronne. Il vient avec crown. Il a mis sur sa tête. Put on his et head. Puis il a assis. Was sitting. Tout le monde dit le roi Absalom. The king Absalom. Tout le monde dit le roi Absalom. Everyone et son père ne dit rien. The father said nothing. Faut avoir peur. Be afraid. Parce que David a compris quelque chose. David understood. Absalom pouvait prendre le palais. Absalom quand tout Absalom pouvait prendre son trône. The throne. Absalom. Absalom pouvait prendre même ses concubines. Il vient avec concubines. Absalom pouvait prendre sa couronne. The crown. Mais l'onction royale qui suit David. Voilà, Absalom ne peut pas l'arracher. La vocation. Absalom ne peut pas l'arracher. Je suis venu t'annoncer. Le diable t'a arraché des choses visibles. Mais les choses que Dieu t'a données qui sont invisibles sont encore cachées en toi. Tu n'es pas tombé. Tu n'es pas à ta fin. Tu n'es pas à ton terminus. La gloire de Dieu est sur le point d'arriver. Souvent quand Dieu veut manifester sa gloire. Sometimes when God to manifest c'est vos proches même qui vous trahissent. It's your own close heart who betray you. Mais il y a un président d'un pays africain. Et président il a dit non, il a été fait non, c'est à côté de lui c'est lui qui l'a fait tomber. Those who are wrong mais c'est que les gens ne savent pas. What people don't know. Quelqu'un te donne à manger. Somebody give you et le jour tu le fais tomber. The day you mais make c'est toi-même qui es tombé. You yourself you are down. On dit l'arbre là. Mais c'est le truc. Nous ne sommes pas fruits pour manger. We will take fruit there to eat. On peut que lancer des pierres. We can just throw a stone pour que les fruits there. Tombent. Et toi, tu veux faire quoi? You. Mais voulant trop manger, tu fais quoi? You want to. Tu finis par perdre. You lose everything. Mais il y a des fruits quand même qui doivent rester. There are fruit to mais si toi, tu as lancé les pierres, if you throw ça ne va pas toucher stone, ces fruits là. But I didn't attack it. Laisse les fruits tomber. Allow the fruit quand to ça tombe. Pourrit, ça fait quoi? When you ça run, sert encore de l'engrais? It will become a chemical. Et donc. Ce que vous devez savoir. What you have to understand. Chaque enfant de Dieu. Every child of God. Est comme une graine que tu as laissée. Is a seed that God has put in the ground. La graine avant de germer. The seed before you doit grow. Connaître des étapes. I have to go to step. On te met d'abord en terre. Put on the ground. Ce qui parle de l'oubli. Talk about forgetting. Et on t'oublie. Forgetting. On n'a même plus tes nouvelles. We don't have new. On dit celle-là en France ça fait 10 ans. In France, mais elle n'a même pas un terrain qu'elle a acheté. She doesn't have mais ceux qui land. Ne savent pas toi tu fais tes choses dans le secret. You are doing in the secret. La terre. La graine est enfoncée. It's down. Temps d'oubli. Forgetting. Deuxième chose. The second one. Le temps de la décomposition. The time of rotting. Où est pourri.
Everything is rotting. On n'a même plus de ces nouvelles. No news. Mais quelques temps après. But sometime avant later, qu'elle ne gemme. Before it grows. Là où elle est enfuie. Where were they? Certains viennent puis marchent là-dessus. Some people can walk. Ils passent. Pass there. Parce qu'on ne croit pas que quelque chose peut gemmer. They don't believe that something mais can come out. Mais quelques jours après. But day later. Je vais ressortir. God bring it out. Et elle commence à germer. It began to grow. Et quand elle gemme, elle commence grow à produire des fruits. Produce fruit. Tu dois accepter les étapes. Accept the fruit. Toi qui as été baptisé. You were toi qui recherches Dieu réellement. Baptized. Tu penses que ta vie n'avance pas. Non. Then your life tu es dans une première étape. Il t'a mis, il t'enfuit sur le sol. Tu es en train de pourrir, mais you le temps vient de germer. Ouvrez vos yeux. Open your eyes. Pierre. Peter. Il peut même prêcher. He can preach. Et il est Pierre. And he's Peter. Il met son couteau. He put his il knife. Il pense pour te défendre. He meant to mais il veut faire partie de ton histoire. He want to belong to your story. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Dis à quelqu'un, faut dire ouvre tes yeux. Open your eyes. Fais comme ça, faut lui dire ouvre tes yeux. Open your eyes. Non, touche quelqu'un, faut dire ouvre tes yeux. Open your eyes. Non, faut le toucher, faut lui dire ce que tu sèmes. Whatever you sow. Non, touche quelqu'un, faut lui dire ce que tu sèmes. Whatever you sow. C'est ce que tu moissonnes. This is what you harvest. Le plus souvent, les gens se posent souvent des questions. They wonder. Je vais finir par là. I went there. Non, mais moi, je viens à l'église. Ça fait 20 ans que je they suis là. Come here 20 ma years. Vie ne change pas. Now my life not changing. Tu peux venir à l'église 20 ans. You can come here 20 mais years. Est-ce que ton cœur a changé pendant 20 ans? As you had changed into 20 years. Tu peux venir à l'église 10 ans. 10 years. Moi, j'ai servi le pasteur. Me I serve the pastor. Moi, je dors même à côté du pasteur. I sleep near the pastor. Moi, même je coiffe le pasteur. C'est moi qui donne l'eau au pasteur. Mais ma vie n'avance pas. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. 10 years. Est-ce que pendant 10 ans, ton during that 10 years, your heart changed. C'est qui nous bénit? What bless us? C'est pas quand on vient à l'église tous les jours. Not only when you come. C'est notre transformation. Our king in transformation. Je rappelle à quelqu'un. I remember somebody. Sur le chemin de Damas. On the way of Damascus. Quand il a croisé Paul. When met Paul. Il n'était pas encore Paul. He was not yet il Paul. Était Saul. He was Saul. Quand Dieu l'a croisé. When God met him. Sa vie change. His life changed. D'abord. First. Même son nom. Even his name. Il change son nom. He changed his name. Dieu retire le S. He got took away the et S. Il met un P. He put P. De Saul il devient quoi? Paul. Saul he became pourquoi Paul. Pourquoi il retire le S? Why took away est-ce qu'il parle S. des sanguinaires? Saleté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? What Paul tuait des gens. Mais people. Quand il met le P, le P qui parle de quoi? Puissance, pouvoir, power, propriété. Propriété. Et il accepte de changer de vie. Cleanness. Donc quand on vient à l'église, we come to on fait 10 ans. Dieu veut te bénir. God il regarde ton cœur. Look at the state of your que heart. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless et dis à quelqu'un que Dieu nous bénisse. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle m'achevait son terme. Elle ne mentira pas.